Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Darksider Genesis qui m'a été offert par T-Creativity. Encore une fois, merci à toi, c'est reparti pour un tour. On va essayer d'aller dans le monde. J'ai juste attaqué ce qu'on avait fait tous les niveaux de l'arène là, qu'il nous était possible de faire. Donc on va juste passer au niveau 13 Dagon, qui est un boss, en espérant qu'on va pas trop se faire démonter, mais normalement ça devrait être bon. Viens à moi, Dagon. C'est parti. Donc sans son schtroumpf, normalement il n'y a rien à ramasser dans ce niveau. Ah oh, mais qu'est-ce que j'aime le style de Madureira. Viens là. Donc ça on prend. Toi t'es mouru. Et toi aussi. Voilà qui est réglé. Merci, suivant. Il y a quand même des coffres apparemment dans le niveau. Et après c'est le boss. Okidoki, bon. On dirait un coffre d'âme. Pourquoi il y aura un coffre ici? On ne sait pas. Mais il y en a un. Là je vois rien de plus. Et le boss est juste après. Bah d'accord, c'est pour faire le plein si jamais on manque d'éléments. Là c'est des potions, j'ai compris que bien plus tard. Monsieur ou madame la boss? Salut. Ah! T'as ton cul, que fais-tu ici? Ah oui. Waouh, mais non. Qu'il est en train de nous faire là. Non. Tiens bon, cette vague va passer. On voit pas très bien la balance d'attaque. Non, non. Y a pas un peu trop de monde là. Je vois rien. Il est très illisible ce boss. Je trouve pas ça lisible du tout. Je sais pas où je suis là, tu vois. Il est pas du tout lisible ce boss. Je fais quoi là? Il y a trop de choses à l'écran dans tous les sens. Déjà, je trouve que c'est super pratique d'avoir la caméra si loin dans ce type de niveau. Je suis en train de le massacrer quand même, hein. Donc il a l'air d'avoir bugué.
arriver à suivre l'action. Ouais, là, je vois rien. J'essaye d'utiliser ma compétence pour redécoller après. Il est presque mort. Oh là là. Je veux juste des ennemis, donc il y a des ennemis, il y a des certains endroits, mais... Heureusement que j'ai un truc qui récupère pas de la vie automatiquement. Hein. Mais tire! Comment c'est chaud? C'est bon, je l'ai eu. Eh ben j'ai trouvé ça très bordélique. C'est ça. Salut Doomsday, comment vas-tu? Donc ça c'est fait, on récupère ça aussi. Et on va lui parler, c'est ça? Bonjour, ou l'achever, je sais pas. Je peux te parler s'il te plaît? Merci. J'en profite pour manger en même temps. Oula, il a pas l'air content. Prêt? Un peu d'aide? Crois-moi, t'aurais besoin d'un bain. Je suppose que nous avons été purifiés. Hey, Ismar! Bravo! Tadam! Dagon, les attaques de corps à corps ont 2% de chance de générer une chaîne d'éclairs. Infusion de dégâts légers. En fonction de la puissance de courroux à un ennemi avant de frapper un deuxième ennemi dans un rayon de 10 mètres. Les dégâts infligés diminuent à chaque saut. Ça pourrait être intéressant, ça. Alors attends, par contre... J'avais que cette mission-là. Mais j'en ai accompli deux. Ah bah si, il y avait ça. Donc j'ai éliminé un paquet de gens, mais je sais pas comment. Franchement, ce boss, je l'ai pas trouvé extraordinaire dans le sens où on ne voyait pas grand-chose, en fait. Alors, soit c'est moi qui bigleux. Je crois que je préfère Dagon. Ça me paraît plus intéressant. Hop là, alors. Je pense pas qu'on ait deux choses à voir. Pourquoi je suis tout électrocuté là? Électrisé, pardon. Parce qu'électrocuté, ça veut dire que je suis mort. Bon, allez hop, on enlève ça. Point, 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 point. Dagon, chapitre terminé. Les cavaliers ont vaincu Dagon. Bah oui, j'espère bien. On va aller voir le journal aussi. Voir ce qu'il nous propose. D'abord, on va aller parler à. J'ai l'impression d'avoir reçu une décharge électrique. Mon personnage clignote. Bonjour, monsieur. Chevalier, votre odeur est encore plus abjecte que votre apparence. Merci. Ça, c'est le mélange d'eau corrompue et d'entrailles de démons dans lequel on a pataugé. Mais de rien, en fait. Enfin, Discord. Je le fais pour vous, pas pour moi. On sait tous les deux que c'est pas vrai. À un moment ou un autre, cet arrangement va cesser d'être mutuellement bénéfique. Et là, ça va devenir intéressant. Quel pessimisme. Pour l'instant, cependant, les bienfaits de notre entente perdurent. Alors, si on reprenait le travail... Désormais, c'est Moloch, le seul et l'unique, qui se dresse sur notre chemin. Ah, ça ne fait plus aucun doute. Ça t'arrange plus que nous. Tu ne nous as jamais expliqué pourquoi il s'en était pris à toi, Samael. Les seigneurs inférieurs de l'enfer se chamaillent-ils toujours ainsi? C'est là qu'il y a des seigneurs supérieurs, quand même. Je serais curieux de voir qui ils sont. Inférieurs? Ne te moque pas de moi, marionnette. Je couperai les ficelles au bout desquelles tu danses, ne serait-ce que pour t'anéantir lorsque tu t'écraseras sur le sol.
Alors tue-le toi-même. Tu es assez puissant pour le faire, n'est-ce pas? Vilaine. Invincible. Presque. Sinon, il n'aurait jamais pu m'éloigner de mon trône. Et son armée devient immensément puissante. Mmh. Que pouvons-nous faire, alors? La cucaracha, la cucaracha. Nous devons les éroder de l'intérieur. Commençons par son immense... Hey Wilson, comment ça va? Écarlate, où ces machines déterrent des matériaux d'une incroyable puissance, qu'il utilise ensuite pour aider Lucifer. Admets-le. Tu veux simplement voir son armée anéantie, afin qu'après sa mort, plus rien dans son royaume ne puisse menacer tes ambitions. Je vais bien, je te remercie. Dans tous les cas, c'est une entente mutuellement bénéfique. Ouais. Partez maintenant. Détruisez tout ce que vous pouvez. Et pendant que vous serez là-bas, éliminez le contremaître. C'est qui le contremaître ? Le contremaître ? Il y a une raison particulière ? Il a été... important pour mon travail autrefois. Il semble que Moloch soit parvenu à l'influencer. Pour cela, j'aimerais qu'il meure. Ce n'est pas vraiment une demande, mais plutôt une exigence. Ouais, bon. À ce stade, je veux bien faire tout ce que tu veux si ça peut mettre fin à cette conversation. Je me dis que ça doit être... Trop longtemps, il faut que j'aille tuer des trucs. Je me dis que ça doit être extrêmement désagréable d'avoir des ailes, en fait. T'imagines ? Tu peux pas t'installer confortablement dans une chaise ? T'as des trucs dans le dos ? Je sais pas, je me sentirais... Quoiqu'après tout, ils naissent avec, donc ils ont l'habitude. Bizarre, bref. Bonjour, au revoir. Y'a pas de nouveau machin qu'on a récupéré après avoir tué... Bidule ? Si, ça, c'était pas là avant. Ok. Tout le reste, on l'avait déjà vu. Salut, 10. Alors, journal. Orbe des tempêtes de Dagon. Merci pour l'hébergement. Oui, merci pour le partage d'écran, ça fait plaisir. Et il y a Diad qui vient de lancer un stream. Live de l'avant 13. Bon, ça va, je suis pas le seul à être en retard. Une sphère de verre luisante qui contient la puissance d'une tourmente. Jadis utilisée par le maître démoniaque Dagon, la tempête emprisonnée dans cet artefact produit des éclairs d'une puissance incommensurable. Et chapitre 13, donc ça, est-ce que je l'avais lu? Mais j'ai même pas le souvenir d'avoir lu ça. On l'avait lu, ça? Non, mais ça, si, on l'a lu. Peut-être qu'on était là. Les élus, trouvés au chapitre 11. Donc, après avoir vaincu Bélial, les cavaliers récupèrent un cristal qui leur permet d'accéder à Eden. Ils ne se mettent en quête avec de la pierre des aînés, une relique capable de condamner le portail ouvert par Lucifer. Les cavaliers affrontent une horde d'anges corrompus afin d'aider Abaddon. Un commandant des anges, ils récupèrent la pierre des aînés et prennent quelques instants pour méditer sur la destruction d'Eden et l'anéantissement des Néphilim. Discord se demande pourquoi ils ont été choisis parmi les autres Néphilim, et Garl lui rappelle qu'être cavalier est un grand honneur. Les frères réfléchissent à leur engagement, puis ils reprennent le chemin. La source de la corruption est identifiée comme une abomination. Les cavaliers anéantissent la créature, puis repartent dans le néant avec la pierre des aînés. Chapitre 12. Donc, invocateur des ténèbres, des tempêtes, pardon. Lucifer a accordé au maître démoniaque Dagon le pouvoir d'invoquer une puissante tempête. Dagon compte faire appel à l'invocateur des tempêtes pour inonder Eden et en faire son domaine personnel. Les cavaliers repartent à la recherche de l'invocateur des tempêtes à Eden. Tandis qu'ils essaient de détruire un sceau magique qui les empêche d'atteindre l'invocateur des tempêtes, ils prennent quelques instants pour discuter des raisons pour lesquelles la protection d'Eden est si importante. Discord se demande s'il ne voudrait pas simplement mieux la laisser disparaître sous les flots, mais Gar lui redonne courage en lui disant qu'Eden leur rappellera toujours qu'ils doivent devenir meilleurs. Les cavaliers brisent le sceau et après être retournés faire leur rapport à Abaddon, anéantissent l'invocateur des tempêtes. Ils retournent dans le néant, se préparant à affronter Dagon et reprendre Eden. Chapitre 13.
Donc, Dagon. Dagon, surnommé le roi englouti, est un puissant démon qui a exploité la puissance nouvellement acquise pour inonder différents royaumes de la création. Après cette purification, Dagon compte utiliser une puissante magie et des conduits appelés invocateurs des tempêtes pour faire déferler d'innombrables inondations afin de créer des lieux habitables pour son engageance aquatique. Démon de forme tentaculaire doué d'une redoutable dentition, Dagon est un formidable adversaire dont la magie lui permet d'invoquer de puissantes tempêtes. Noël et la bouffe. J'ai pas envie d'être en vacances de Noël, moi, sincèrement. Ou alors qu'elle soit plus courte. Dagon convoite actuellement le royaume d'Eden, réputé abriter de nombreux artefacts rares et une source de pouvoir démoniaque. Avec la purification, Dagon compte invoquer une formidable tempête et trouver un lieu de pouvoir. Lorsqu'il a plongé ses racines dans un endroit, Dagon peut se révéler être un adversaire extrêmement tenace. Mais on l'a démonté. Est-ce qu'il reste des choses à acheter par là-bas? On va aller voir. Par contre, je me sens toujours aussi électrique. J'ai combien de clés de... Ah, j'en ai que 4. Tant pis. Là. Toi. Dis-moi tout. Rien de nouveau ici. Amélioration. Rien de nouveau, on a tout. Cœur. On a plusieurs cœurs de créatures à 3000. Autant aller voir les attaques du coup. C'est que des cœurs. Ça peut être sympa, mais je sais même plus lesquels j'ai d'équiper. J'aurais peut-être pu vérifier d'ailleurs en fait. On va voir. Bonjour. Salut les garçons. Si je réunis suffisamment d'âmes, je pourrais peut-être racheter ma liberté. Quoi? Une jeune fille devrait pouvoir rêver un peu, non? Et ça y est, je n'ai plus assez enchaînement d'amélioration après un combo. Passe un nom pour projeter le plus ennemi en l'air. Vengeance. Il ne reste pas énormément de choses à acheter. Hein. Hé, hey, montrez-moi un peu de respect. Vous savez à quel point c'est compliqué de récupérer ces trucs en douce sous le nez de Vulgrim? Mais qui a dit que je te respectais pas? Bon. Toc par là. On grimpe. Pas comme ça si possible. Et on retourne voir ce qui se passe par là. Donc il faudrait qu'on aille jusqu'à la fosse de dragage. Moloch, donc on retourne dans la zone de départ en fait. Est-ce que dans l'arène on a de nouveaux trucs à accomplir ou pas? Non. Donc on retourne dans le pays démon. Bonne nuit Wilson. Faites beau rêve, prends soin de toi, merci beaucoup d'être passé, à la prochaine, ciao, bisous. Mince. Non c'est bon. Je suis en train de voir que j'ai oublié de fermer le paquet de céréales. Elle a pu être niveau 460, on est niveau 995, 925, normalement on est censé leur rouler dessus à nos adversaires. Je pense qu'on aura bientôt terminé Darksiders là. Peut-être pas à 100%, mais on l'aura bientôt fini. Je retournerai aussi dans un des anciens niveaux pour essayer de récupérer. Pourquoi je fais un signe en même temps. De guerre qui alimente toute une armée de démons. Ça va être marrant, pas vrai? Juste au moment où on commençait à s'ennuyer. Les cavaliers sont une force redoutable. Tu parles de toi à troisième personne? Ça en casse, ça en casse, ça en casse. Je me dis vraiment que le jeu doit être sympa aussi en coop. C'est tout. Tiens.
Ouais, j'ai un max pour ça. Ok, donc ça c'est fait, c'est bon. On va détruire ça et on va aller voir plus loin. Force de Moloch approche. Ah, si, c'est du nouveau, non? Et qu'est-ce qu'ils espèrent faire? Mourir! Tranquille, on est large. Aucun souci. En fait, par contre, il faut vraiment que le jeu... Mais pourquoi ça veut pas faire B? Légion de flammes rage. Génère derrière la personnage une traînée de dégâts qui inflige des dégâts très légers basés sur la puissance de Kourou. Dévoreur de monde, les ennemis sont piégés, réduisant leur vitesse de déplacement de 20% pendant 6 secondes. J'avais pris les deux, mais non, c'est bon. Toc, toc, c'est bon. Là, s'y arrive quand on n'appuie pas sur les bons boutons. Je me demande si c'est un bug que le personnage soit électrique comme ça. Ça me paraît bizarre que ça dure. Bonjour. Au revoir. Juste failli. Hop là. J'ai l'impression qu'on roule tellement facilement sur les ennemis dans ce niveau. C'est ça, puis on va arriver contre un gros costaud qui va me démonter et je dirais bah alors peut-être que même le fait avant. C'est vraiment sympa qu'on soit en massif. Mais... C'est pas vraiment une surprise. Je récupère, merci, au revoir. Est-ce qu'éventuellement je vais rater des choses? On se fait là-haut. Je suis là. Donc là j'ai l'impression d'avoir tout vu. Par contre j'ai l'impression que le niveau est immense. Bon bah on va avancer. C'est grave, docteur. Je pense que je vais aller chercher le plaid. Entre deux rediff. Vous avez vu les yeux qui étaient au fond? Donc j'ai pas rêvé, il y a bien des yeux qui m'observent. Tout va bien. Il y a des yeux dans les murs. On va refaire la scène de Matrix avec ça. Avec plaisir, viens. Je reconnais ce marteau, il me rappelle quelque chose. Genre Dark Souls 3 ou... Non, je suis pas en train de fuir, je suis en train de regarder s'il y a des choses ailleurs. On va le tuer, il est là. Thank you.
était mouru. On est trop puissant pour. Faut que j'aille voir ce qu'il y a là-haut. Trop curieux. Non. Un coffre pour commencer. Est-ce que j'étais censé pouvoir passer par là à l'origine ? Pas. Salut Siam. Ah mais la musique d'Arcelor a toujours été bonne, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Parce que t'es peut-être pas toute seule du coup. Ça valait le coup. Il y a que 10 pièces du passeur, mais au moins je vais en trouver une de plus. Ça me rappelle beaucoup le niveau d'Arcelor 3, d'Arcelor 1 aussi, et d'Arcelor 2. Bah ça va bien, écoute, merci. Je sais plus si vous avez fait ici à Dark Sailors. Regardez ce qu'il proposait comme mission. Trouvez-moi l'entrée dans la forteresse où réside le contremaître qui a trahi Samael. 2. Détruisez les foros qui extraient les bombes tumeurs. Et 3. Éliminez le maître chien dans la force de dragage. Ouais, ça. On va déjà buter le maître chien, non? Coucou Rémi, comment vas-tu? Je sais pas si c'est la bonne direction ou pas. Ah non, c'est une foreuse, ça, non? Non, mais si je vais par là, je quitte la zone. On va revenir en arrière. C'est vrai? Ah, j'aime ça! Quoi de beau, monsieur Rémi? Se ramène là. Attends, chaque fois on s'entend. Hop, cadeau. Il s'appelle calmer les ardeurs des gens. Hop là, y'a plus. Lisa. Edge of Empires, peinture, madame, enfant. Bah, c'est quand même une bonne journée, non? J'ai l'impression de ne pas savoir où je vais. Merci Elsa. La belle. La musique aussi, mais oui. Mais il y a des musiques dans le 2, dans le 1, dans le qui sont magnifiques en fait. Euh.
coincé. Attends, si je remonte sur le bouton, tu penses que ça fonctionne? Continuons à avancer. Le contremaître est sûrement dans les profondeurs du site. Moi, j'ai envie d'aller pourrir tout le monde en bas. Bon ben, ils meurent tous. Arrête, donc dis-moi pas que je peux pas remonter. Ah si, je crois savoir comment. Il y a des choses par là? Non. Hop là! T'es mort. Ou moi d'abord. C'est pas, c'est bon. Ça regarde. Ah, ça a craquelé un petit peu apparemment la sculpture. J'avais pas regardé plus que ça, mais je l'ai pas redescendu. Mais quelle quiche. On va taper d'aller au corps à corps dans des trucs comme ça. Ça se fait pas. Pardon, monsieur, c'était pas volontaire. J'ai l'impression que le niveau est immense. Quoique, il était pas si grand que ça, en fait. Ok, le désert écarlate, on y est. Là, il y a un point de téléportation. Je vais me balader et essayer de voir un petit peu ce qu'il y a partout. Hello, monsieur Bobby. Comment allez-vous, monsieur? Ah, ils ont tous glissé. Je sais pas trop ce que je fais ici. Tu l'as fini le celui-là? Bon, et d'accord, pour l'instant je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi, Bobby. Pour le moment. Pour le classement, on va voir après. Monsieur Rodin. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Mais c'est immense par là. Attends, il y avait un coffre. Il y a un coffre qui est apparu, je l'ai pas récupéré. Mais il est censé être ici le coffre. À moins qu'il soit au-dessus, mais ça me paraît bizarre. Un peu connu. Ah, d'accord. Non, mais en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait... Oh, un copain! Attends, tu peux mourir s'il te plaît? Et pourquoi ça a disparu son truc au-dessus? Nous ne craignons rien.
ça plutôt efficace. T'es pas mort, toi. Tu m'as explosé la figure ou... Ah non, il est pas là. Il a fini par prendre la porte. On est sur la blague des connaisseurs. Ah, ah, j'ai tout oublié. Non, mais en fait, j'ai cru que tu me faisais... parce que tu sais, mon nom, c'est Rod. C'est pour ça. Alors du coup, je me suis dit, attends, faut que je comprenne la référence. On est le 15 ? On n'est pas le 15 ? Pourquoi Twitch, il m'envoie mes sous ? Twitch, il m'a envoyé les sous ? Il m'a envoyé l'argent des subs ! L'argent des abonnés ! Je suis riche ! Je viens donc de gagner 300$. Grâce à qui? Oh, c'est grâce à vous, mais bon. Il y a des fois, j'aimerais avoir un disque dur que je peux brancher, ou alors un disque dur interne. C'est le genre de truc qui pourrait permettre de comprendre. Mais elle est vachement grande. J'aime pas les trop grandes zones dans ce genre de jeu. Ah, c'est ça les fameuses foreuses qu'il faut que je bousille, c'est ça? Il y a des signes ici, il y a des signes. Donc il y a une porte à ouvrir. De l'autre côté, il y a forcément quelque chose. Il y a un coffre démoniaque. Enfin, épique. Non mais t'as eu raison. Alors attends. Rodin. Porte. Ah, elle est magnifique, serait cette porte. Il y a un penseur. Salut Kyo, comment vas-tu? Et comment va Francesca? Là, il y a un machin que je peux utiliser ici. Troué. Par contre, je sais pas pourquoi je grésille à chaque fois. Le truc, c'est qu'il y a cette porte encore là. Et cette porte, pour l'instant, elle est pas activée. Comment je peux faire pour l'activer? Je pense que c'est un bug quand même, hein, le fait que le personnage clignote comme ça. De quoi tu te souviens pas tellement Darksiders? J'ai encore soif, c'est terrible. J'ai envie de sucre. Là, il y a un coffre, mais je comprends pas pourquoi il est pas apparu aussi. Attends, on va continuer à se balader. La musique est un peu forte. Pièce de passeur, juste ici. J'arrive, chérie! Ah, c'est une violence, l'esquive. Je crois que je leur roule un petit peu dessus, non? Ah oui, mais c'est un de ces derniers qui est sorti, ça, Okyo.
Non, là, c'est Dark Siders Genesis. Celui-ci est sorti il y a une petite semaine, donc effectivement, il est sorti le 5. Dans un mois, non. Ah, je pensais pas le tuer. Et des fois, ça se passe bien, alors que c'est pas prévu que ça se passe bien. 100 barils dans la fosse de dragage. Ah bah d'accord. Bonjour. Ah mais c'est vrai que j'ai le cheval pour me dépasser dans ces zones-ci. Salut Krim, comment ça va? Marigori toujours aussi efficace. En fait c'est pratique, on peut se fier à Marigori. Je dis bonjour. Et comme ça j'oublie moins de monde. Merci Marigori. Et toc. D'accord, si tu l'as plus sur PC et console, c'est différent, date de sortie. Je savais pas. Ah si, il y avait pas un truc genre 15 décembre, effectivement, pour les consoles. Je savais pas, vu que je m'intéresse pas vraiment aux versions PC, aux versions console. Moi, c'est dommage, ça doit être agréable d'avoir une petite boîte. Quoique si, il faut que je me prenne la boîte. J'ai toute l'édition collector, il faut que je m'achète l'édition collector de Dark Siders Genesis. Bon, j'aurais pas une effet d'édition, mais il faut que je me prenne la collector de base. Mais quelle idée d'être incendant, monsieur ? Mais du coup ça va quand même Marigori, y'a pas eu trop de dégâts sur le... Que je dégoûte Titi. C'est vrai? Tu l'as eu où? Tu l'as eu où? Elle était l'occasion? La super chère, arrête! C'est vrai? Tu l'as eu? Il en reste? Y'a Archibald qui vient de lancer un direct! Oh, arrête! Mais... Mais tu m'as vendu du rêve pendant quelques secondes et puis plus rien, quoi. C'est moche de faire ça. Sincèrement, je me dis que c'est trop triste de l'avoir raté encore une fois, cette édition. J'ai toutes les autres collectors et... Il y a 5000 exemplaires, personne ne la revendra, cette édition collector. Ouais mais carrément, attends. Bon l'année est finie mais t'as 100€ donc c'est pas non plus la fin du monde là, je viens de recevoir quoi que non si en fait. Ouais que non, attendez. Normalement quand on est au RSA on a droit à une prime de Noël. Le truc qui est dégueulasse, c'est ridicule. Mais il quand il vous je le veux. Arrête. C'est une des rares sagas où je serais capable d'acheter plein de trucs. Mais attends. Ouais, donc là ça veut dire que j'ai eu le chèque énergie. Ma voiture, j'en ai pour 300€ de dépenses. Donc avec le chèque, j'ai sachant qu'il me reste 300€ sur mon compte en banque, hein, avec le truc. Donc, rassurez-vous, j'ai d'autres argent à côté, mais grâce au sub, mais, et aux dons et tout ça. Mais du coup, ça veut dire que je retombe sur mes pieds comme si j'avais pas payé les 300€ au final. Sachant que je les aurais payé quand même, mais je veux dire, c'est-à-dire que je retomberai au même niveau, quoi. Le chèque énergie, t'as joué à la radio? Non!
Mais attends, elle est là-bas, elle est là-bas. Yes, une note de moins. 2 sur 3. Mais parce qu'en fait, il y a deux trucs qui m'intéressent énormément. Forcément, il y avait Darksiders, Collector. Si je pouvais trouver une Nephilim édition, alors là, ce serait le pied. Mais bon, il y a eu 5000 exemplaires dans le monde, je crois, donc forcément, ça va pas être pratique. Mais en plus, il y a un jeu de plateau dedans et tout, ça a l'air trop classe. Et il y a un autre truc qui me tente, mais énormément, mais qui coûte méga, ultra, super, méga cher. Mais qui me tente beaucoup, beaucoup, c'est une tablette Remarkable. Et je me dis que c'est le genre de truc qui serait extrêmement pratique. Et le cul, comment ça le cul? Le cul. Le cul de qui? De quoi? Dans où? Nous sommes des Anonymous! Je sais si ça se prononce ous, comme couscous, mais c'est plus joli en disant Anonymous. Je sais pas si vous connaissez les tablettes Remarkable. Lisa, je suis sûr que ça pourrait t'intéresser aussi. Quoique non, t'as déjà ce qu'il te faut avec l'iPad, avec le Procreate. Comment ça, non? Je suis perdu. Au secours. Oh, attendez. Ouais, t'as déjà l'iPad, donc pas non plus. C'est du chocolat? Non! Secondes, je vous montre vite fait ce que c'est, sauf que c'est super cher. Si vous connaissez des versions qui sont moins chères que ça, mais en gros, est-ce qu'il y a des vidéos pratiques? Est-ce qu'il y a des vidéos cool? Full review, je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air super classe. Par contre, ça vaut 600$ quoi. Y a pas un site directement? Paper is the ultimate tool for thinking. Moi, je voulais une démonstration. It lets your mind roam freely without restrictions. It lets you focus, lose track of the paper. Voilà, c'est ça en fait, ça fonctionne comme ça. It lets you write. Read. Et ça a l'air super pratique. And sketch with an extraordinary paper-like feel. Unlike traditional tablets, Remarkable lets you replace your notebooks, sketchbooks, and printed documents without sacrificing the feel of paper. Canvas uses on the eyes and light controlled on a microscopic level and precision. On s'en fout de la précision. That lets you keep just notes, notebook, converts your hand, offering endless sure. Notebooks in one device. Remarkable even converts your handwritten notes into typed text, making them easy to refine and share. Et tu peux écrire et ça analyse ton écriture, etc. Parce que je me dis qu'un iPad c'est plus de 500 ou 600 dollars. Normalement, non. Ça dépend des iPads, sûrement. Whether it's a book, textbook, or work document. Capture your thoughts instantly. Heavy books, natural and for time, your workflow is all digital. Focus. Yeah. Better thinking. Et je me dis qu'au lieu d'acheter des plaquets, des paquets de pâtes. Ah, des paquets de. Attends, y a pas de. Y a pas de. Des films.
Darksiders Nephilim Edition Shopping. Ça, c'est la Collector Edition. $580, quoi. Euros. 549 €. Les mecs abusent tellement. Parce qu'en fait, le papier, c'est volant. C'est un peu le souci. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai plein de feuilles qui volent, et quand tu veux t'y retrouver, c'est vachement chiant. Tu peux les mettre dans un... C'est violent, la musique, je trouve. Ça coupe les arbres et c'est bouh. Non, mais surtout qu'en fait, c'est plus pratique pour s'organiser. J'ai tendance à faire plein de choses à la fois, donc c'est plus pratique d'avoir un truc qui sur lequel t'as tout, en fait, d'un seul coup. Plutôt que de voir tourner des intercalaires, des classeurs, des machins, des bidules. Et kaboum! Parce qu'actuellement, je prends mes notes sur mon téléphone à chaque fois. Et c'est chiant, parce que tu peux pas mettre des petits dessins, des petits trucs. Ou alors, faudrait un tablette, quelque chose. Enfin, je sais plus comment ils s'appellent, les Galaxy Notes, ou je sais pas quoi. Mais c'est pareil, il coûte 600-700 $. Donc je sais pas ce qui est le mieux pour ce genre de choses. Mais j'avoue que ça me fait très envie, ce genre de truc. Dans les mines de métaux précieux. Exactement! Sérieux, je sais pas si je craque ou si je dois pas craquer. Parce que j'ai les sous quand même pour me les prendre grâce au sub et tout depuis quelques temps, je gagne un peu plus d'argent, mais est-ce que c'est une bonne idée de craquer pour une édition des films si elle est à 150 €? Je pense que c'est pas. Un tank cure et un beau stylo plume. Ouais, mais je bouffe énormément de papier, saigne. Tu sais, quand tu regardes autour de moi, c'est du papier partout en fait. Il y a des feuilles dans tous les sens, il y a des piles entières de feuilles installées dans tous les sens partout. Et quand tu veux en retrouver une ou machin, c'est chiant en fait, quand t'as plein de projets à la fois. Dans des carnets, j'en ai bouffé aussi. Hein. Et je me dis qu'un truc numérique serait plus pratique pour le tri en fait. Ce qui est peut-être tout aussi débile de penser ça comme ça. Parce que ça se trouve, je suis pas plus organisé avec un truc en papier. Je te laisse le reste. Bah, moi je l'aime bien le jeu de plateau aussi. Je sais que j'y jouerai pas, mais la collection. C'est vrai qu'idée est bonne. Papier rechargeable, c'est le top. Pour vous taquiner, quoi, Isa? Non, mais sinon, je pars sur l'autre version à son scopir. Elle a 100 € encore l'ancienne, l'autre version. J'ai juste la statuette dedans et un mini artbook. Et j'aurais juste pas le jeu de plateau, quoi. C'est pas grave. Ça, c'est pour ramener la bestiole, mais j'ai pas tout visité en bas, là, on est d'accord. Là, il y a une discussion là-haut, avec un point de téléportation en bas. Attendez. Du coup, pourquoi à droite, quand je pars, là, il y a les barricades. C'est-à-dire que là, normalement, je peux continuer, mais il y a un mur... Ou alors, c'est juste un affrontement de boss. Tu vois, ça me perd les micro niveaux comme ça. Ouais, c'est tellement tentant. Toutes ces choses. Faut aussi que je regarde s'il n'y a pas un artbook quelque part qui traîne du jeu. Tant pis, je vais aller voir ce qu'il y a par là-bas. Voilà, c'était le maître chien gagné.
a plus de chien pour l'instant. Oui. Aïe, je l'avais pas vu lui. Ça, monsieur? Et d'ailleurs, qu'on pouvait galérer contre lui la première fois qu'on croise. Hop là! Éliminé, c'est fait. Ça te fait penser à Garou? Ou même. Les enfants, ils ne mettent pas des saloperies de dessiner à grandir. Salut Cerveau. Oh, oui, Cerveau, pardon. Toi qui viens de un as, je sais pas si on, comment on prononce son pseudo. En tout cas, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la bulle, installe-toi confortablement, en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir. Yahoo, j'arrive les gens. Encore des chiens. Aujourd'hui, nous font du mal, nous allons faire du mal aux animaux. Vilain chien, bah oui. C'est pour ça qu'on les tue. Ils seraient sages, on les caresserait. Comment vas-tu, Cerbero? Je sais pas si c'est Cerberolas. Cerberolas, peut-être. Si on part du principe que ce serait du X. Je pense que ouais, je vais me faire au moins la collector de Darksiders. En même temps, je comprends les gens qui sont fans du coup et qui sont collectionneurs de... T'entends 30 secondes, j'étais coincé. Pousse. Qui sont collectionneurs pour les gros jeux, genre bah, BG avec Assassin's Creed, etc. Tu te dis, une fois que t'as commencé une mini-collection pour une raison ou pour une autre, t'as envie de tous les avoir, les trucs. On ne s'offre pas en offre, comment ça? Je la veux bien. 580, c'est abusé. 580, c'est abusé. Et je me dis que ça apporte rien, c'est juste du plaisir de dépenser 180 euros pour ce genre de choses. C'est pas bien. Oui, non, mais quand je parlais de faire un truc, c'est de prendre la com, la statuette. Mais bon, j'ai quand même un truc que peu de gens vont avoir avec les dédicaces des développeurs. Donc ça, faudrait que je l'encadre. C'est toujours pas fait, ça c'est honteux. Faut que j'achète du sculpé aussi, maintenant. Parce qu'au pire, tu vois, je pourrais prendre ça et récupérer ouvrir mes artbooks et me faire des statuettes ou des trucs. J'ai pas regardé les prix de la sculpée. Si ça coûte pas trop cher, je peux me faire des trucs immenses. Je vais taper. Toc, ça s'est récupéré. J'ai pas encore récupéré la carte au trésor, par contre, donc... Pourquoi je suis pas pensé à faire ça plus tôt? Là, je comprends pas où est le coffre. Attends, on va détruire une idée là. Non.
volontiers que je le rachète. Mais comme je te dis, là, de là où je suis, je vois qu'il a eu des galères, le petit bonhomme. Ça, je prends. Poste de dragage, ok. 1000 âmes, parfait. Je les rachète, les moules. Immense, c'est compliqué. Non, mais quand je dis des trucs immenses, au pire, je les fais en plusieurs parties s'il faut. Oula, oui, ça a craquelé beaucoup. Tout ce qui était autour de l'aluminium a craquelé. Regardez là sur le côté. C'est tout destroy. Là, là. Ça a tout craquelé. Mais le reste, ça va. C'est un peu dommage, mais c'est pas si grave. Les morceaux d'herbe qui tombent. Tada! Sinon, ça va. C'est pas si terrible. Oh oui. Avec une argile début. La quiche à des rides. Oh, c'est joli comme ça. Ah! Faut que je vous dise, j'ai trouvé une idée. Vous gagnez plein de quiches là. Et en fait, hier, j'étais sur le. Je vous ai renvoyé sur le live de Slan. Slan Meta. Et il m'a donné une idée. Non. Rémi, je vous donnerai pas plus de boulot. DK Burn Thermique, c'est quoi ça? Pauvre quiche desséchée. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis bien amusé. Et comme ça, je recommencerai une mieux. Quand j'aurai dû sculper. Va falloir vous cotiser un moment. Là, il y a toujours cette porte, mais je sais pas comment l'ouvrir. Là, il y a ça. Faut que je trouve comment faire. Là, ça, on l'a vu aussi. J'adore ces crânes. Denise. Ou alors un truc de 1 cm, mais tu m'as annoncé je sais plus combien de milliers d'euros pour une figurine de 3 cm. Non. Je sais plus. Des capteurs thermiques, il est des fois d'accord. Pour avoir juste une épée. Faut que je trouve comment ouvrir cette porte. Il me la faut. Est-ce qu'il me manque une compétence? Est-ce que... Non, j'ai 4 pièces du passeur, 2 coffres de mystificateur. Ou alors c'est peut-être par en dessous qu'il faut que je l'ouvre. Parce que là je peux pas descendre déjà. C'est pas possible. Et là ils me disent qu'il y a un coffre juste où je suis. Mais j'ai battu les ennemis et il est pas apparu. Donc pourquoi il serait pas apparu? Est-ce qu'il y a quelque part un machin activé dans un coin ou... J'adore ces crânes géants sur le côté là-haut. Les boîtes de jeu sont pas représentatives. Comment ça, les boîtes de jeu sont pas représentatives? Mais de toute façon, comme on dit, les potes, on leur demande pas de te faire des prix. Quand t'es pote, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, quand j'ai des potes qui font des jeux vidéo, par exemple, j'achète le jeu vidéo. Quel que soit le prix. Parce qu'on demande pas à un pote de faire cadeau. C'est pas le principe des potes de faire cadeau. Enfin, je sais pas, c'est une vision des choses que j'ai. C'est un peu... On va remonter par là, écoutez. Hein. Je vois pas ce qu'il faut que je fasse d'autre pour faire apparaître les éléments qui me manquent. C'est joli, ça. Si on l'avait pété, j'avais déjà tout visité en fait, c'est bon. Ça fait des plombes qu'on est en train de tourner dans ce niveau. Ah mais les boîtes, ils en vendent plusieurs. Après, tant qu'ils en vendent assez, tout va bien.
Mais s'il y a un truc que j'aimerais trop, Rémi, mais vraiment, c'est qu'un jour, par exemple, avec Bobby et d'autres personnes, qu'on puisse se faire une partie d'un jeu que toi qui te plaît, ou que tu as fait, ou sur lequel tu as travaillé. Donc, ça va où ça? Ça monte. Ça, je pense que c'était pour le faire redescendre si jamais on redescend. Que ce soit un Resident Evil 2 ou un machin ou... Je suis sûr que l'expérience elle serait géniale. Après je suis pas RP mais c'est pas des jeux de RP ces jeux là dans mes souvenirs. Enfin je suis pas RP parce que je suis chiant, je sais pas. J'ai pas assez de concentration pour être RP. Parce qu'il met des points. Donc Twitch je crois que c'est des liens. Il écrit sur la tablette et du coup il doit écrire vite et je pense que ça met des points à cet endroit. Il y a un coffre ici, comment pourrais-je l'ouvrir aussi? Et c'est terrible ce genre de choses. Plus, et me faire une partie avec des un jeu de figurines que t'aurais peint. Alors là, tu vois ce que j'ai toujours Rain Wars, mais j'ai même pas eu le courage de l'essayer Rain Wars. Parce qu'il faut lire les règles, c'est ça prend un temps fou et autres. Et mais ça me plairait beaucoup, je pense, de faire un de ces quatre une partie sur ce genre de jeu. On va aller voir là-bas, du coup, on attend. Bien, tu paries qu'on va trouver le contre-maître de l'autre côté de ce truc. Alors détruisons-le, ils nous seront fixés. Ouais, guerre, vas-y, explosons tout. C'est à plein d'item, tu peux pas rentrer. Mais il y a toujours une façon de rentrer en fait, donc la question c'est... Qu'est-ce qui me manque? Waouh! Waouh! Est-ce que c'est Charlotte et son rouleau? Non, c'est pas Charlotte et son rouleau. Attends, 30 secondes. Mince, je l'ai pas équipé. J'aime bien la grosse attaque en fait, celle-ci. Celle-ci, non, c'est les tirs chargés que j'aime bien. Munition faisceau, munition lave, munition nature, munition gravitation. Au pire, et si on lave? Ah oui, vas-y, continue. Je me sens pas à l'aise avec ça. J'aime bien ce genre de réflexion. Tiens-toi tranquille, c'est de t'abattre. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Au revoir, monsieur. Et nos lives après. Même, ça pratique, je passe mon temps à dire non aux gens pour aller chez eux. Enfin, une partie de mon temps. C'est un peu difficile de dire aux gens, ah ouais, mais non, et oui, à d'autres, tu vois, j'aime pas ça.
Mais un de ces quatre, il faudra vraiment que je prenne le temps de me déplacer, de faire des tours et des machins, d'aller droite, d'aller voir à droite à gauche, effectivement. Tu bois pour rouler. Pardon. Mais bon, un de ces quatre, il faudra quand même que je fasse genre de choses. On est tout là-haut. Attends, c'est un ascenseur. Qui permet de descendre où, je ne sais pas. C'est une sacrée machine. Il est long, hein. J'ai l'impression que plus on avance dans le jeu, et plus on a des niveaux qui sont bien, bien longs. Aïe, j'ai esquivé trop tard. J'adore cette arme. Je crois que celle-ci, moi, elle est claire, c'est mon préféré. Oh, la carte. Nickel. Vraiment qu'ils aient mis la carte, c'est ultra sympathique. Donc là, il y avait une discussion que j'ai ratée apparemment. Là, il y a le coffre qu'on avait vu. Là, sur chaque plateforme, il y a des trucs à récupérer. Là, j'ai raté des choses. Il y a une porte du mystificateur ici. Qui a pas l'air extraordinaire, il y a juste un éclat de santé, un éclat de courroux dedans. Mais bon, on serait toujours ça de prix. Là, il y a ce fameux coffre et ça que j'ai pas encore réussi à récupérer. Et j'imagine que l'ascenseur descend là-dedans. Et là, il y a le boss. Au pire, normalement, rien ne m'empêche d'explorer encore une fois qu'on a vaincu le boss. Enfin, j'espère. Il y en a moins qui ont de moins en moins qui ont le temps en fait. Mais sinon, faudrait regarder s'il n'y a pas une convention pour attirer un de chez toi. T'es vers rouge déjà, Rémi, si c'est pas indiscret. Là, je peux descendre. Mais ça descend jusqu'où? Donc, on va revenir sur nos pas. Je suis désolé, quand on fait ce genre de niveau, j'ai tendance à partir dans tous les sens, c'est pas forcément super agréable à suivre. J'imagine. Mais je me dis, plus on en récupère maintenant, mieux c'est. Là, voilà la discussion. Les ambitions de Moloch grandissent. Lucifer l'a enhardi. Et avec la destruction du donjon de Samael, son emprise en enfer s'accroît. Il sera sûrement moins hardi quand j'aurai logé quelques balles dans son crâne épais. Toujours la bonne solution, ça. Cela m'inquiète que Lucifer se mêle des affaires de démons inférieurs. Que peuvent lui rapporter leurs vaines querelles? Il finira bien par le savoir. Nous avons dévoilé une intrigue beaucoup plus vaste. Et je crains que nous n'en fassions partie. C'est notre boulot, j'imagine. Tu le dis tout le temps, on est des cavaliers. Ils répondront de ce qu'ils ont fait. Tu écoutais vraiment ce que je te disais? Ne te flatte pas trop. Je veux juste mettre un terme au dessein de Lucifer, qu'on puisse passer à autre chose. Trop tard. Je sais que tu m'as écouté. Est-ce que t'es très loin de Genève ou pas? Reisa. Est-ce que tu serais entre Annecy et Genève par hasard? J'ai un pote qui habite entre Annecy et Genève. Ah mais c'est bon, on peut passer d'une plateforme à une autre.
Et ça sert à quoi là? Attendez. Toc. Non. Ah ouais, donc t'es plus dans le nord. Parce que Metz c'est vachement dans le nord il me semble. Ça fait quoi? Mince, j'ai pas regardé ce que ça avait fait. Quel quiche. Ça fait quoi? Bah ouais, ti. Là, il y a le coffre ici, il faut que je redescende à gauche. Ça passe. C'est le Dark Holmes. Comment vas-tu? Je suis pas allé par là. Comme une grosse quiche, j'y suis pas allé. Faudrait que je fasse comme certains, faudrait que je fasse un tour de France de temps en temps. C'est genre je prends ma voiture et je passe un peu partout. Oh, tout de suite. Du coup, j'ai posé plusieurs fois la question à Marigory et à chaque fois j'oublie de lire si elle répond ou pas. C'est quand même vachement nul ce que je fais. Ah, ça passe à travers, pardon. Bonjour. Allez le toutou, on se calme. Ah, il est un peu KO. Mais qu'est-ce que j'adore cette compétence de l'esquive qui crée de la bestiole, quoi. Aïe. T'es bientôt mort, camarade. T'es mort, ça y est. C'est réglé. Je me demandais si c'était grave du coup le toit. Si ça allait aller. Parce que du coup, à chaque fois, je t'ai posé 2-3 fois la question. Et à chaque fois, je me dis bah j'oublie que je l'ai posé en fait. Donc du coup, je regarde plus. Parce que des fois, je demande ça va et en fait, après, je regarde plus. Tu vois. Vous allez bien. Ah, ça va bien, Anne-Sophie. Et toi, quoi de beau? Celui dessus à toutou. Éclat de gemme de courroux de conquérant. Un éclat de gemme de courroux de guerre. Collectez 3 éclats pour obtenir une gemme complète et augmenter la jauge de courroux et la puissance de courroux de guerre, d'accord? Mais moi ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que j'aimerais bien avoir tous les objets. J'ai pas regardé combien de clés ça me demandait. Je vous rappelle qu'il m'en faut 6 à la fin, des clés. Ah,
plus qu'elle collectait 5 cœurs de santé pour Discord. Eh bah basta, gemme de santé complète dehors la loi. Une gemme de santé complète de Discord augmente la manière rapidement que la santé maximale de Discord, d'accord. Mais attendez. Quête. 2000 et dans la collection, on est où? Gemme de santé de Discord, il m'en manque quand même encore 3 apparemment. J'ai encore de quoi augmenter la vie de Discord 3 fois. Kourou par contre il reste 1 point seulement. Armure abyssale, on est encore loin. Et j'ai pris d'arbre dans la tête à cause de la tempête, donc ça va. Je m'en rends même pas compte de la tempête, à quel point c'est violent ou pas, parce que je vois pas le temps qu'il fait dehors. Salut Runibas, comment vas-tu? C'est trop nerf familial, nécrophile. Donc après il y a ça, la discussion on l'a eu, ce coffre je l'ai pas eu. Là il y a une grande porte, mais je peux pas la voir à mon avis tant que j'ai pas été affronter les boss en bas. Là il y a ce coffre que j'arrive pas à récupérer et celui-ci que j'arrive pas à récupérer non plus. Et après c'est le quart de la forteresse, ok. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais revenir ici. Peut-être que je pense à couper la rediffusion, elle dure 1h23 celle-ci. On avait dit que ça prenait 2 thés, Bobby. Parce que tout le monde sait qu'on aime les bites trempées dans le café. Au petit déjeuner le matin. Ah non, coucounette, c'est pas pareil. C'est le principal, d'accord. Ah mais ça doit être quand même vachement lourd. Quoi qu'il y a sûrement des assurances pour ce genre de choses, non? Attends, je peux t'éliminer toi, vas-y, viens. C'est quoi cette chose? Attendez, par là. Et par là. Mais attends, j'ai jamais visité ce chemin ainsi? Je suis où là? C'est des endroits d'environnement grand. Bon, après, je suis bête parce que j'utilise pas le cheval. Ne vous inquiétez pas, je fais que vous tuer, après c'est réglé, d'accord? C'est amical. Voilà, vous voyez? Hop. On voit qu'il y a eu de la baston par ici quand même. Ça c'est bon, ça c'est vu, et le coffre là-bas est toujours pas apparu. Mais comment je fais ça, moi? Qu'est-ce qui me manque pour qu'il apparaisse, ce coffre? Pas grave. Pardon. Désolé, je baille. Un
médaillon niveau 2 que t'arrives pas à avoir non plus. Un médaillon niveau 2. En fait, le truc qui me perturbe, c'est qu'à chaque fois que... Ah, c'est un donjon. À chaque fois que j'ai essayé d'ouvrir des portes, en fait, j'ai trouvé. La musique est très très cool, mais on entendait un peu trop tourner en boucle là pour l'instant, donc j'avoue que je sature un peu. Ça se fait du bien d'avoir quelque chose de différent tout de suite. Mais vous savez quoi, on va en profiter pour couper la rediffusion, comme ça ce sera fait. Ça sera plus pratique pour moi. Hop. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. On balance le Hall of Heroes, n'est-ce pas Isa? Du coup qui n'est pas rose. Mais bon, c'est pas grave, rose si vous préférez. Bref, on coupe la rediffusion aussi, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live. Je reviens. Elle arrive très vite la version console, demain ou après-demain. A tout de suite. Pum 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 p